Mais Medication History, il est important. Oui, c'est ça, important. Et nous pensons aussi que ça se tente de faire peut-être un déo, après un autre jour, tout bonne pharmacie, tu peux besoin garder un fichier électronique, que ce soit un client. Pour par exemple, Michael Winkle, moi, je suis reçu, je connais mon allergique avec aspirine. Donc, j'ai besoin de mettre quelque part dans le fichier. Dans mon fichier, là. Mon programme informatique pour s'offrir bien grave accommoder une place côté mon cas, il y a Michael allergique à l'aspirine, donc probablement il y a allergique avec les autres anti-inflammatoires aussi, donc vous avez fait bien précaution quand vous donnez les médicaments. C'est ça le vrai rôle du pharmacien. C'est tout en mode de patient. Quand je parle d'une pharmacie, je tiens dans cette gold, cette fidélité. Et là, le pharmacien, il y a une fiche qui les remplit tout bonnes affaires là-dedans. Il lui donne tout bonnes données. Par exemple, s'il y a allergie, il prend telle médication, il arrête telle médication, il est avec tel médecin, il peut prendre telle affaire, il y a un suivi. À ce moment, nous sommes capables de juger, OK, s'il prend telle médication, qui compte l'indication, il y a. Vous comprenez? Mais par contre, s'il y a aller, il prend différentes places, il peut être suivi. Alors, il y a une pharmacie, il y a un autre médicament qu'il n'est pas supposé prendre, et ça, il compte lui-même.